Un musulman demande : le Coran vient-il de Dieu ? Message de Yahoua donné à sa servante Brigitte. 20 février 2021. Lors d'une discussion que j'ai eue avec un musulman, je lui ai dit que je recevais des messages de Dieu. Il m'a dit : d'accord, c'est bien. Puis il m'a dit : peux-tu lui demander si le Coran vient de lui ? Alors voilà, j'ai posé la question. Seigneur, le Coran, est-ce la vérité ? Voici sa réponse. À cette époque, nul ne croyait. Ils allaient ça et là, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais jamais là où il le fallait. Puis, il s'était levé parmi eux un homme pour leur donner une conduite, car leur cœur était dur, sans amour, loin de moi et de toute sainteté. L'inspiration, je la donne à tous les hommes, mais seule la vérité les affranchit. Mais ils ont trouvé bon de suivre l'homme, comme toujours. Ils se sont attachés à ce qu'ils connaissaient de la parole, la Bible, et en ont fait quelque chose de détestable, rempli de commandements humains, de mœurs humaines. Suis-je parmi vous ? Est-ce à moi que vous rendez un culte avec amour et vérité ? Vous vous attachez à vos doctrines humaines et rejetez la vérité. Examinez vos cœurs, soyez sincères, et laissez-moi vous guider, car je suis le chemin, la vérité, la vie. Gardez mes enseignements et exhortez-vous afin de vous tenir debout aux jours difficiles. Je vous accompagne, soyez sans crainte. Référence biblique. 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 2 Pierre chapitre 3 versets 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen.